Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien comme d'habitude. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Ziman Stocco. Enfin, j'ai fait les derniers petits achats que je voulais faire pour Bibou, enfin pour Noël. Et je me suis aperçue que j'avais oublié de vous présenter un petit cadeau que je vais lui offrir pour Noël que j'ai fait, que j'ai acheté à Noz. Donc je l'ai oublié lors du dernier haul. Et petit aparté, comme d'habitude, je filme cette vidéo pendant la sieste de Bibou, donc je ne parle pas très fort, ce qui est normal. Mais à chaque fois, j'augmente tous les volumes et la luminosité avec mon logiciel de montage. Donc si vraiment vous m'entendez pas beaucoup, mettez des oreillettes ou changez de support. J'ai ma soeur qui regarde mes vidéos via sa tablette et elle m'entend parfaitement. Donc voilà, je peux pas faire mieux, je gagne rien avec YouTube. Voilà. J'ai un petit caméscope, je peux pas mettre de micro ou quoi que ce soit, j'ai pas les moyens non plus. La luminosité, j'ai pas les moyens non plus de m'acheter un gros éclairage ou autre. Donc voilà, c'est à l'ancienne, c'est le YouTube d'avant. Si ça vous plaît pas, bah désolé, mais moi je fonctionne comme ça pour l'instant. Donc voilà. Sinon j'accepte les dons, les cartes bleues. Non, je déconne, mais enfin voilà, j'ai pas les moyens. Je préfère faire plaisir à mon petit garçon pour Noël. Et comme vous voyez, je vais à Noz, je vais à Stocco, je vais pas à Pickwick ou machin acheter des choses en plein pot parce que je n'ai pas les moyens. Donc je n'ai pas les moyens de m'acheter une lumière, ni un micro, ni un super appareil photo dont je rêve, mais c'est pas possible. Donc voilà. Donc abstenez-vous avec vos messages à chaque fois. On t'entend pas, machin, machin. Oui. Soit, je le sais, j'augmente le son comme je peux, mais il y a des manières de le dire, et un bonjour, ça fait pas de mal. Voilà. Donc, petit aparté terminé, je vous montre ce que j'avais pris pour Bibou, donc à Noz, et que j'avais oublié de vous montrer. Donc, c'est un set. Comment ils appellent ça d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une appellation? Oui, un set petit déjeuner. Donc, Cars. Voilà, donc c'est du solide, hein. Donc il y a une assiette, je vais peut-être vous montrer comme ça, donc une assiette, un bol et une tasse, voilà, à l'effigie de Flash McQueen, et j'ai eu ce petit lot pour 3,99€, donc je me suis dit que ça valait le coup, c'est du dur, il va pouvoir le garder un bon moment, et je trouve ça super cool, voilà. Surtout que là je vais commencer à essayer d'y incorporer des céréales le matin, essayer de voir s'il y a possibilité de l'enlever son bébé. Voilà, et qu'il passe aux céréales le matin, qu'il ait un petit déjeuner. Chaque chose en son temps. Hein. Donc voilà pour ça, pour bébé. Ensuite, on va passer où ça va peut-être être mélangé. J'essaierai de vous mettre les prix à l'écran s'ils ne sont pas affichés sur les produits. Donc je lui ai trouvé à Stocco un puzzle en bois. Donc là vous avez les petites tirettes, si je puis dire. Voilà, vous voyez. Et vous avez un puzzle au milieu. Donc tout est en bois. Je l'ai eu pour 2,99€. Donc voilà, il y a des véhicules. Vous êtes très content. Des petits camions, des motos, tout ça, tout ça. Donc je pense que ça va lui plaire. Ça je pense qu'il va avoir un petit peu plus de mal, mais bon, à voir. Très contente de lui avoir trouvé celui-ci. Ensuite, ah oui, ce que je vais vous montrer, j'en ai trouvé un deuxième, mais il a trouvé la cachette du Père Noël. Voilà, Liam a trouvé la cachette. Donc, il était là, flash, 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 flash. Donc, voilà, il a déjà eu un de ses cadeaux de Noël. Voilà. Il sait qu'il y a le deuxième et il sait qu'il y en a un autre. Mais. Celui-ci, il va rester dans la cachette du Père Noël jusqu'à Noël. Il n'y a pas moyen. J'ai trouvé un deuxième. Donc, c'est des petits circuits. Voilà. Cars. Donc, il n'y a pas de lanceur dans ceci. Mais bon, moi, il en a déjà. Il a un autre. Il a déjà un premier circuit. Un gros avec les cactus ou autre. Donc, il y a déjà un lanceur. Il en a déjà un. Donc, là, c'est sans lanceur. Mais bon, c'est pas grave vu qu'on en a déjà un. Et tous les circuits Cars. Se clips entre eux, donc c'est très très bien. Donc ils sont à 14,99€. Donc il en a un plain, et les plains aussi sont adaptables avec les cartes, donc c'est très très bien. Donc là il peut
Voilà, il en a un gigantesque si on veut. Donc là, c'est avec Luigi Guido. Et vous avez toujours une voiture d'offert avec. Et c'est ça qui est dommage, c'est toujours Flash McQueen. Donc il en a je ne sais combien maintenant des Flash McQueen. Donc, voilà. Donc, et le deuxième, c'est le café de Flo. Mais voilà. Je pense qu'il va être très content de s'amuser avec celui-là. Il s'amuse déjà très bien avec l'autre. Donc, il y a différentes manières de jouer. Il peut, voilà, où l'on met le lanceur, ça fait différents circuits. Et c'est très cool. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que voilà, ils se mettent les uns avec les autres. Là, il a lequel? Il est pas dessus. Non. Il n'y a même pas celui que je lui ai pris là. Parce que là, je vois, il y a le jean, là, il n'y a même pas le café. Mais bon, il y en a tellement que. Voilà. L'univers Cars est très étendu. Je me suis repris mon gel nettoyant avec de la crème de soin, donc pour les peaux sensibles sujettes aux rougeurs, c'est ce que j'utilise en ce moment, je l'aime beaucoup. Mes rougeurs se sont un petit peu atténuées, mais voilà, il est très bien, il mousse bien, il sent bon, donc je continue à prendre celui-ci et il est pas trop cher à Stoco, donc du moment que je le trouve, je continue à l'utiliser. Donc c'est chez Mixa, expert peau sensible. Ensuite, je me suis repris une crème de jour parce que la mienne est bientôt finie. Donc là, j'ai regardé un peu, j'en voulais une qui justement traite un petit peu des rougeurs, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris la Neutrogena Hydro Boost, donc en gel crème pour les peaux sèches, sans parfum. Je verrai bien ce que ça donne. Ça va être la première fois que je vais tester une crème Neutrogena. Je vous mettrai les prix à l'écran. Ensuite, j'ai bientôt fini mon cils démasque de Je m'aimais Maybelline. Donc là, j'ai vu ça à Stoco, je me suis dit je vais tester un biphasé. Donc c'est de la marque Diadermine. Donc tout type de peau, démaquillant aux yeux waterproof. Donc démaquille parfaitement, protège et prend soin des cils. Donc à voir si ce biphasé fonctionne bien ou pas. Mais bon, voilà, j'aime bien tester les biphasés. Là, ils mettent pas que c'est non gras. Donc je m'attends à ce que ce soit gras. Ils ont tendance à mettre à chaque fois que ce n'est pas gras, mais c'est toujours gras à biphasé. Bon, je verrai bien ce que ça donne. Vous en aurez des nouvelles dans les produits terminés. Ensuite, je crois que c'est toujours à Stoco. Je lui ai pris un petit t-shirt, un bibou, un t-shirt Bengam comme il dit. Donc c'est Spiderman. Donc c'est du 3 ans. Je l'ai eu pour 5,99€. Voilà. Donc je vais chercher un petit pantalon aussi, mais bon, ils font pas. Vu qu'il est entre le 2 et. C'est compliqué. Mais j'ai pas vu de beau petit pantalon. Je lui ai juste pris celui-ci. Donc à Stoco. Il va être content. Donc ils vont avoir plein de petits paquets sous le sapin. Ensuite, Aziman. Je lui ai pris. Un pull, donc c'est du 2-4 ans. J'ai trouvé très très joli celui-ci. Avec écrit super héros. Voilà, un petit pull. 5,99€. Donc c'est la première fois que j'allais à Aziman. Pourtant j'en viens en centre-ville. Mais je mets plus les pieds en centre-ville. C'est devenu la galère à mien. Donc voilà. Je l'ai trouvé super chaud. Encore un petit paquet pour Noël. Et enfin, toujours à Ziman, je lui ai pris un pyjama, donc Mickey Mouse. Donc là, c'est du pareil, 2-4 ans. Je pense que ça va être très grand, mais bon, moi, pour qu'il puisse courir sans se casser la binette en marchant sur son pyjama, je lui mets le pyjama dans la chaussette. Là, il est trop chou. Non, c'est très moche, mais bon. Au moins, il tombe moins. Mais voilà, parce que là, c'est du 2-4 ans. Je pense que le pantalon va être très grand. Mais on verra bien. Donc voilà, Mickey. Il y avait du Cars, mais je le trouvais pas super, super beau. J'aurais voulu un Star Wars, mais le seul Star Wars qu'il y avait, c'était pas la bonne taille. Bingham, pas. Spider-Man, il n'y avait pas. Donc je me suis rabattue sur Mickey, mais voilà. Un peu de pyjama en ce moment, il y en a plein, mais voilà. Il est trop mignon. Donc voilà pour ce haul Stoco Ziman et
oublinose. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez trouvé quelques petits trucs à Stocco ou Zeman où je serais peut-être passée à côté et vous pensez que ça pourrait m'intéresser. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Ciao.